Salut, salut, on se retrouve en voix off pour changer un peu. Voilà, je vais essayer de voir si ça passe bien les vidéos nail art en voix off. Voilà, on va tester, vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Donc je vous mets le dernier nail art dans la petite fiche, dans le petit i. Et voilà les produits que nous allons utiliser. Donc là, les couleurs, hein, vous utilisez celles que vous avez, du noir, du blanc et du rouge. Oui, je vérifie que je me suis bien servi de toutes les couleurs. Là, j'ai pris un pinceau pour les couleurs gel et un pinceau liner. Donc, bien sûr, je vous mets tous les liens en barre d'infos de tout ce que j'ai utilisé. Là, j'ai sorti les paillettes. Vous allez voir, j'ai testé. Finalement, j'ai recommencé. Je vous en dis pas plus. Là, c'était pour récupérer les paillettes, mais du coup, vous n'en aurez pas besoin non plus. Et bien sûr, la feuille de stickers vampire, sang, enfin Halloween quoi. Vous avez besoin d'un dégraissant pour les gels ou le top coat si vous avez un avec dégraissage. Un petit peu d'eau pour les water decals, ainsi qu'une petite pince que je crois que je ne vous montre pas. J'ai pris un dotting tool et le pinceau éventail, c'était pour les paillettes, mais que j'utilise toujours pas, hein. Donc j'ai commencé par utiliser mon pinceau gel pour appliquer du blanc sur uniquement l'annulaire que je vais devoir mettre en trois couches, ainsi que pour le noir, vous verrez par après, ils sont pas très opaques. C'est, je vous rappelle, un kit que j'ai acheté chez AliExpress pour 10 euros les 36 couleurs, donc forcément c'est pas la top qualité. Mais en dépannage, vous verrez que le résultat est pas dégueu. Donc évidemment, je catalyse une minute entre chaque couche. Là, je dégraisse après deux couches parce que vous verrez que j'ai ajouté la troisième couche par après. Enfin, je pense que vous le verrez. Je ne sais plus si je l'ai filmé ou pas. Bref, en tout cas, j'ai mis trois couches au total. Et voilà, donc là, j'en profite pour faire tout de suite mon autre main pour pas devoir attendre, pas devoir nettoyer mon pinceau et le ressalir par après. Donc une fois que j'ai nettoyé mon pinceau et tout ça, je prends le noir et pareil, je vais le mettre en trois couches sur tous les autres doigts que je catalyse à chaque fois une minute entre chaque couche et voilà. Voilà, mes deux mains sont faites. Vous avez vu cette magie du montage. J'adore si ça pouvait aller aussi vite en vrai. Donc là, je prends la couleur rouge qui, je pensais, était moins rouge que ça, mais finalement est rouge. Voilà, je pensais que c'était plus un rose très foncé, un bordeaux, enfin, je ne sais pas comment expliquer. Donc là, vous voyez que je prépare mes petites paillettes toutes fières de moi et tout. Donc, c'est des paillettes qui viennent d'un kit de chez Action. Et au final, je vais absolument recommencer puisque vous allez voir que le résultat est caca, complètement dégueulasse. Donc avant de vous laisser voir le carnage des paillettes, je vous explique juste que je vais faire des petites gouttelettes comme des dégoulinures de sang en fait sur mes ongles. Donc pour ça, je vais utiliser le dotting tool pour faire un point et je vais l'étirer ensuite avec le pinceau liner. C'est vraiment hyper hyper simple et ça fait son petit effet, hein. Voilà, après avoir décidé de recommencer et de ne pas mettre les paillettes, le résultat est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Je dois vous l'avouer. Donc là, j'ai mis qu'une couche assez épaisse, hein, forcément, puisqu'on sent le relief. Et j'ai catalysé, pareil, une minute. J'ai mis du top coat. Donc j'ai utilisé le Pellisage que vous allez voir juste après. Et là, je vais utiliser mes petits stickers. Donc je vais prendre les bouches principalement. Je vais prendre la croix, comme vous pouvez le voir. Une main ensanglantée et des petites taches de sang que je vais appliquer. Sur mes ongles. Il me semble juste que j'ai oublié de filmer à un moment donné. Je ne sais pas. On va voir ça ensemble de suite. Donc vous pouvez voir que le rendu est super sympa. Franchement, j'adore mes ongles. J'adore mes ongles. J'avais dit que j'allais les enlever juste après avoir fait la vidéo, faire une dépose et recommencer et tout, puisque voilà, je ne fête pas Halloween et tout. Et finalement, j'ai envie de les laisser tellement j'aime bien. Donc là, je mets ma couche de top coat Ilac, donc de chez Pellisage, que j'aime énormément. Je crois que c'est mon top coat préféré. Donc il faudrait que je vois s'ils l'ont en no wipe, enfin sans couche de dispersion à la fin. Et je catalyse 90 secondes. Oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'avais oublié d'appuyer sur enregistrer pour la deuxième main. Après, le principe des water decals est le même. À chaque fois, voilà, vous commencez à savoir, c'est juste que vous auriez pu voir mieux comment je disposais mes ongles.
Enfin, mes trucs sur les ongles. Enfin, oh là là, mes water décalées. Je m'excuse, hein, mais il est 7 h du matin. Hein, voilà. Donc, je suis un petit peu fatiguée encore. Hein. Comment je disposais mes water décalées sur mes ongles, voilà, sur mon ongle notamment, puisque je n'en mets qu'un. Voilà. Mais je vous jure que j'adore mes ongles d'Halloween. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, bah, dites-moi ça en commentaire. Dites-moi aussi si la vidéo en voix off vous plaît. C'est peut-être un peu plus simple pour moi finalement de tourner comme ça. Mais regardez-moi le rendu, comment c'est trop joli. J'adore. Ma nièce m'a dit tout de suite, oh, ils sont trop beaux. Et vous voyez la brillance du top coat, c'est un truc de fou. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous a, si ça vous plaît. De vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne. Parce que ça aussi, ça fait tellement plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. Et voilà, je vous remercie d'aller penser à faire un petit tour sur YouTube. Alors désolé pour les voitures et les camions, les trottinettes qui passent, ça me saoule. Je vous remercie si vous prenez le temps d'aller faire un petit tour sur mon Utip afin d'augmenter un petit peu la cagnotte. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bisous bisous!